Et puis aujourd'hui est un grand jour. Deux réalisatrices de New York sont spécialement venues pour faire un court-métrage sur moi. Un court-métrage qui va retracer ma vie, mais sous un autre aspect que celui que l'on voit toujours. Plein de choses de ma vie, des choses qui sont encore cachées. Isabel Caro is as shocking a poster girl as you will ever see. Last month, the anorexic woman who weighs less than 70 pounds appeared on billboards in Milan, the fashion center of Italy. Looking at her made us wonder if she would actually survive. Alors dans mon histoire, dans ma vie, il y a eu deux périodes. Il y a eu la période du bonheur, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 4 ans. C'est moi quand j'avais 2 ans, quand ma mère n'avait pas encore fait sa dépression. Ce livre est le livre qui va vous raconter ma vie, et je voudrais que vous l'appréciez. Je dois tout cela à ma maman, qui a toujours été pour moi si bonne. Qui n'avait pas de problème, et d'un jour, moi je l'ai retrouvée dans son appartement, comme ça, elle faisait 28 kilos. Un jour, je commence à parler à mon reflet, comme le miroir, comme s'il s'agissait d'une autre petite fille. Quelle tâche tu veux, c'est quand? Ah, bah ça, il y a longtemps déjà. Je devais avoir 19 ans. Un jour, on se retrouve à Paris et puis je retrouve une fille qui n'avait pas le même visage qu'avant. Ce besoin vital pour lequel je mourrais. Être aimé. Grazie, Isabelle. Grazie. Ça veut rien dire, ça fait que je suis toute seule, si elle n'a pas l'histoire.